À ce jour, le bilan provisoire est de 18 victimes décédées, dont 15 civils et 3 éléments des forces spéciales. 33 blessés, dont 26 sont encore dans les structures sanitaires publiques et privées et totalement prises en charge. 3 terroristes ont été abattus. Le Conseil des ministres a arrêté les mesures suivantes. 1. Le maintien de l'activation du plan d'action contre terroriste pacte au niveau rouge. 2. Le renforcement du dispositif sécuritaire de tous les sites stratégiques et ceux accueillant du public. 3. Le renforcement de la sécurité, notamment des écoles, des ambassades, des sièges, des organisations internationales ainsi que les résidences des chefs de missions diplomatiques. 4. L'assistance aux blessés et aux familles, avec le numéro vert 22 48 97 60. Le président de la République a décrété un deuil national de 3 jours à compter de ce jour. De forces étrangères. Maintenant, pourrait-on en enviant se demander, puisqu'il y a eu le gala de la première dame, était lourdement armé. C'était des gens qui étaient vraiment qui avaient des armes de guerre. Alors, comment, quand on sait qu'ils parviennent à traverser toute la Côte d'Ivoire jusqu'à ce que l'attaque se fasse au niveau du littoral, n'existe pas. Mais nous sommes en capacité de réaction et nous sommes très 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 sûrs de cela. Nous allons redoubler d'efforts, nous appelons les populations à rester vigilantes, mais à vaincre la peur. Et vous allez voir que la Côte d'Ivoire, ça marche, ne va pas s'arrêter à cause de cet événement.